clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. Il s'agit de First Reformed. C'est sur le chemin de la rédemption. Attention, prends ton chemin vers la rédemption. Voilà. Sur le chemin de la rédemption, je remercie Anne Patrigeon de nous avoir passé, de nous avoir envoyé la galette. Hein. Merci à toi, Anne. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis. Et puis après, on regarde la bande-annonce et on en discute par après. Toller, un ancien aumônier militaire ravagé par la mort de son fils, conseille une jeune paroissienne, Mary, et son mari, un écologiste radical. Cette nouvelle mission lui permet de redonner un sens à sa vie et lui donne l'espoir de pouvoir réparer les erreurs du passé. Mais quelles sont ces erreurs du passé? Eh bien nous, on va aller voir ce qu'elles sont ces erreurs du passé. I have decided to keep a journal to set down all my thoughts and the simple events of my day. I will keep this diary for 1 year, and at the end of that time, it will be destroyed. I encouraged my son to enlist. It was a family tradition. 6 months later, he was dead in Iraq. I was lost. My son's the reading of the Lord. Praise be God. How are you? Oh, I'm fine. No, really. It's been a while since we've talked. Even a pastor needs a pastor. Did you see the doctor? You need someone to take care of you. Well, I want you to be happy. I know that nothing can change, and I know there is no hope. Reverend Toller? Yes, Mary? You must come over. You must come over now. Explosives. She was becoming someone I didn't know. Opportunistic diseases, anarchy, martial law. You will live to see this. But you had no idea that he was thinking of. No, I'm so frightened. These kids, they want certainty. You know, don't think, follow. They fall prey to extremism. It's a world without hope. No, I have not lost my faith. You think that what we did together was a sin? I've seen enough real sin to know the difference. You didn't tell the police, right? Take a look at your own life before you criticize others. These are frightening times. We have to be patient. Well, somebody has to do something. Are you washed? Are you washed? In the blood. In the blood. In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Hands shake as I write these lines. Are you washed in the blood of the Lamb? Can God forgive us for what we've done to this world? Who can know the mind of God? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce. Que dire sur ce film, hein, donc sur le chemin de la rédemption, hein, First Reformed. C'est un film américain déjà. Très, très, très bon film. Je vais juste vous lire mon petit synopsis que j'ai mis là, hein, juste sous les yeux, parce que bon, j'ai pas tout noté, que voulez-vous. Parkinson me guette, hein, je ne peux pas tout retenir des fois. Et puis bon, comme on dit, on ne peut pas tout retenir, voilà, mais bon, moi j'ai vraiment bien apprécié, et quand vous allez voir les acteurs, vous allez un peu comprendre pourquoi j'ai vraiment aimé ce film. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce film, quand on pense qu'on a quand même Paul Schrader quand même qui revient quand même avec une très très bonne un très bon film qui date de 2017. Il n'y a rien à dire sur ce film. Quel que soit le genre, Paul Schrader possède un talent particulier pour évoquer le tourment, l'exploiter justement de ses causes et de ses conséquences souvent tragiques. C'est ça que j'ai vraiment bien aimé, et on peut avoir franchement de très 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 belles surprises. Vous allez
regardez ce film et vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, il est magnifique. Par contre, ce que je peux dire quand même, c'est que c'est un film qui est sorti en 2017. On est pratiquement mi-2018 et il arrive seulement maintenant. Je crois que des fois, il y a quand même des longues attentes pour des films comme ça qui en valent la peine. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils prennent un chemin très long avant de sortir. That is the question. C'est un peu comme le film que je vous ai présenté la semaine dernière, Cell 99, Cellule 99, franchement qui était vraiment pas mal. Plus d'un an qu'on attend ce film. Alors, en piste audio, on a du russe, du hongrois, de l'italien, du polonais, de l'anglais, du français et de l'espagnol, tous en Dolby Digital 5.1. En sous-titres, ben, on a de l'italien, du russe, du finnois, du polonais, du norvégien, de l'espagnol, du danois, du hongrois, du mandarin, du suédois, du néerlandais, du tchèque et du français. Le sous-titre pour sourds et malentendants est de l'anglais. La note que j'ai donnée est un 8 sur 10. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Le film il est réalisé par Paul Schrader, scénario par Paul Schrader. À la production, on a quand même pas mal de gens derrière. Hein. Jack Binder, Greg Clark, Gary Hamilton, Victoria Hill, David Hinojosa, Frank Murray. Avec, et là c'est quand même pas mal de bonnes brochettes quand même, hein. Amanda Seyfried, Ethan Hawke, Cedric The Untrainer, Victoria Hill, Michael Gaston, Phil Hittinger, Ethan Hawke qui nous revient quand même en force quand même, et c'est lui qui prend le rôle de l'aumônier. Donc Ethan Hawke qu'on a pu voir aussi dans beaucoup de films, notamment aussi d'un film que j'ai fait découvrir au Slasher, avec notre ami Denzel Washington, qui est un flic ripou, je vous laisse deviner le titre du film, qui était vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Je ne vais pas en parler maintenant, parce que ce n'est pas mon but, mais Denzel Washington, qui est à l'affiche aussi, avec Equalizer 2. Donc, voilà. Mais là, c'est pas le fait de parler de ça aujourd'hui. Donc la musique est de Brian Wilson, la photographie de Alexander Dinan, montage est de Benjamin Rodriguez Jr., le décor est de Grace Yoon, le costume est de Olga Mills, durée du film est de 1h48, c'est suffisant et c'est très bien comme ça. Voilà, il en fallait pas plus, il en fallait pas moins, un très très bon film. Ça va sortir chez Universal Pictures France, distribué par Universal Pictures Vidéo. Merci encore à toi, Anne, je précise. La sortie vidéo est prévue pour le 25 septembre 2018. Malheureusement, il n'y a pas de bonus vidéo. Voilà, donc The First Reformed. Si vous ne trouvez pas, regardez quand ça va sortir, donc le 25. Regardez plutôt à ce moment-là sur le chemin de la rédemption.